Et troisième et dernière partie de l'émission, ce soir on donne aussi son avis, c'est important, et on parlait il y a un instant de la nouvelle loi qui est passée de limitation de vitesse 90-80. En Sarthe, ce qui fait beaucoup de bruit, ce sont les motards qui sont nombreux à se mobiliser chaque week-end. On parle aussi beaucoup des runs en Sarthe, on sait l'importance de la vitesse des 24 heures du Mans, du circuit et de tout ce que ça peut engendrer autour. Les runs, ils sont nombreux, et les accidents aussi, surtout aux abords du circuit. L'avenue du Panorama est une avenue du Mans qui en connaît, en termes d'accidents, un très grand nombre. Ted, vous étiez tout à l'heure en train de nous dire que vous aviez des amis motards, et du coup, vous avez une position bien tranchée. Alors, attention, pas sur l'imitation de vitesse. L'imitation de vitesse, je laisse ça aux autres. Non, moi, je parlais des runs, où je disais qu'effectivement, j'étais catégoriquement contre, parce qu'effectivement, j'ai des amis motards, et une partie d'entre eux ne sont plus là à cause... ou entre autres à part cause des runs, parce que c'est des endroits qui ne sont pas contrôlés, même si on dit oui, il y a des vieux motards qui sont là-bas, qui ont un peu de surveillance, l'accident, il est là, et tant qu'il n'y a pas de contrôle, pour moi je trouve ça hyper dangereux. Et d'autant plus que ce n'est pas fait sur un circuit, donc l'accident non, il peut engendrer... Non, c'est fait sur le parking d'intérêt, majorité du temps, ou sur un parking en règle générale, et moi ce qui m'embête, c'est qu'on va enterrer le copain, très souvent on a les réactions des gens qui sont très tristes, oui le run, mais ah nanana, deux semaines plus tard ils y retournent. Et toi, t'es là, mais tu t'as pas compris la leçon. Et peut-être 4-5 mois plus tard, on est encore à un enterrement. Peut-être pas à cause du run, hein, mais parce que, voilà, il y a eu une notion voilà, de danger, nana. Et c'est chiant, quoi. Et tous les copains qui partent en tant que motards, et c'est pour ça que je leur dis, les gars, faites attention, et surtout sur les runs. Là, après, la vitesse, c'est vraiment un autre sujet. Mais les runs, moi, perso, je suis pas favorable. C'est pas contrôlé, il n'y a pas de sécurité. Et dès qu'il y a un accident, la majorité, ils se barrent parce qu'ils ne veulent pas être dans les pattes des flics quand ils arriveront. C'est illégal, le run. Hein. Donc, voilà. Yoann ? Pas mieux. C'est vrai que, en travaillant dans le domaine hospitalier, c'est vrai que lorsqu'on voit des jeunes motards qui arrivent dans des situations... Et la moto, ça ne pardonne pas. Un accident de moto à haute vitesse, c'est ça pardonne rarement... Pas. Donc, voilà, c'est vrai que, il y a des circuits qui existent pour ça. C'est vrai que ça coûte cher, hélas. Mais si vous voulez avoir... Enfin, vous donner un petit peu d'adrénaline, et tant pis, mettez le prix, allez sous le circuit, mais l'adrénaline, c'est pas dans les perfusions qu'il faut l'avoir après, quoi. On passe à un autre sujet. Oui, je dirais vieux motard que jamais, non, c'est pas... D'accord, bon, oui, on va passer à un autre sujet. avec une autre question, c'est une nouveauté qui va ouvrir de mars à septembre, donc là, ça y est, ça ouvre, à la Ferté-Bernard. C'est les médecins... La Ferté-Bernard, ils sont assez... Ils sont chauds, ils sont à la pointe de l'innovation, ils sont à la pointe. Les élections dans 2 ans, les mecs, ils balancent les projets. C'est quoi, une exposition ? C'est pas une exposition. C'est un commerce. C'est un commerce, okay, c'est particulier. Un commerce que pour le printemps. Ouvert de mars à septembre. C'est un commerce dans la rue ? C'est un commerce dans la rue. Pardon. Ça manque, tu me diras. Moi, nous parlons des fleurs. Donc effectivement, c'est un commerce. On aimerait bien butiner de plus en temps. Ah, c'est un quelle fleur. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on a la réponse du côté. C'est un food truck. C'est un food truck. Excellente réponse d'Emmanuel Chevreul. Ah, effectivement, un food truck à la Ferté-Bernard. Vous savez ce que c'est un food truck ? Ah, bien sûr. Mais oui. Mais vous voulez pas nous le dire. Il y a de très bons d'ailleurs qui sont souvent vers les entreprises. Le camion de mamie. Ouais. Le camion de mamie, par exemple. Le camion de mamie, oui, il y en a aussi. Il y a un pizzaïolo aussi qui est très bon. Près de l'avenue François Mitterrand. Non, l'avenue. Là où il y a France Bleu. Si, c'est ça, Mendes France. Mendes France, voilà, il y en a un très bon le jeudi, notamment. Oui, effectivement, il y en a de plus en plus. Hein, pour ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un food truck, c'est une petite camionnette. Hein, c'est pour ça que le camion de mamie fait un tabac au Mans dans lequel on vous propose de manger. Donc parfois, ce sont donc des restaurants ambulants qui peuvent se déplacer devant les entreprises, et c'est ça qui est intéressant. Et qui propose. À la Ferté-Bernard, ce sera un burger maison, en tout cas, et puis. Des assortiments de frites certainement et d'autres d'accord, c'est une bonne repas idée. De midi rapide. Faut pas laisser tomber la campagne non plus. Hein. On parlait des médecins l'autre jour, c'est vrai que sur le plan culinaire, faut pas les laisser tomber non plus. Et puis c'est LMTV Sarthe, c'est pas LMTV Le Mans, donc on parle de toute la Sarthe. Et t'as tout à fait raison. C'est LMTV. Je vous remercie. Pardon ? LMTV, ça veut dire Le Mans TV ? Oui, Le Mans TV, Sarthe. On a rajouté Sarthe derrière pour que.
C'est que le vous ne fassiez pas le... Ted, justement, puisque vous êtes là, on va en profiter pour parler d'un projet aussi. C'est pas un food truck que vous lancez là. Non, du tout. En fait, voilà, donc comme les gens peuvent le savoir, donc, je suis humoriste et je donne aussi dans la semaine. Je fais des blagues. Les gars, j'essaie de... Je vends mon truc, les gars, je deviens professionnel. Attention, je donne envie, je fais rêver, tu vois. Donc je donne des cours de théâtre à des enfants dans les écoles, dans 16 mairies différentes en Sarthe. Et donc, avec l'association des Carnements, dont j'ai la chance de présider, nous avons décidé de développer pour des ateliers adultes de théâtre, donc qui devraient arriver soit vers la fin mars, soit vers début avril. Voilà. Principalement, alors on aura l'occasion d'en discuter, mais principalement, logiquement, les mercredis soirs, donc de 19h à 21h, et les jeudis soirs de 19h à 21h également, donc on aurait deux cours distincts. Ah mais 19h à 20h, il y a déjà les goulans chemin. Ouais. On essaiera de... Ou alors vendredi, je ne sais pas, on a le temps de peaufiner. Mais je voudrais mettre les gens en haleine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cours d'improvisation et sans doute d'humour. S'il y en a qui sont tentés de développer ces deux facteurs-là, et ben, moi je me mets à leur disposition. Potentiellement vers la fin mars, début avril. Et voilà. Donc ton Woody, Allen. Et ce sera à la maison des Alouettes au Mans. T'as un client là. Maison des Alouettes. Voilà, j'ai mon premier client qui est là. Voilà. Alors après, on parlera de prix le prochain coup. Comme j'ai dit, c'est un projet qu'on est en train de mener. Je veux pas que ça coûte cher aux gens et je veux que surtout ils partent avec de bons bagages et qu'ils se sentent pas. Voilà. Donc. Pour une première participation, 60 balles, 65. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais vous pouvez remettre un petit pourboire à la fin parce que. C'est... Au chapeau. Voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est juste pour dire voilà, on va lancer des cours de théâtre adulte, improvisation, humour. Il y a un mail de contact pour l'association Les Garnements, peut-être pour déjà dire si ça intéresse du monde. Oui, bien sûr. Alors c'est lesgarnements@asso.gmail.com. Voilà. Ok. Donc vous pouvez m'envoyer ça ou alors à ted.humoriste@gmail.com. Si vous êtes intéressé, bah, c'est avec grand plaisir. Je vous réponds et je vous donne plus de détails. Voilà. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour cette idée loisir culture. Bah, même, oui, culturel. En fait, voilà, je voulais développer ça. J'avais envie de voir aussi s'il y avait un... Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, Ted, on voit tes photos. Ah, moi, ça me plairait bien de faire ça. » Je dis « Bah, au pire, avec mon petit bagage... » Bon, après, je viens quand même du pâtisse. Donc, voilà, j'ai quand même un bon bagage derrière moi en termes de théâtre. On a fait avec Martin, on a fait avec Pierre. Bref. Et donc, voilà, j'ai envie aussi de l'enseigner, de dire... Bah, on y va quoi, c'est beau d'en parler, mais il faut le faire à un moment donné. Ah bah, très bien, en tout cas, c'est une idée supplémentaire, on en reparlera bien sûr dans l'émission tant que vous voulez. Ouais. On va parler d'un autre sujet maintenant, avec le printemps qui arrive. Ça, je vous l'apprends pas, on l'attend. Les jonquilles sont en fleurs. Ça, c'est de l'info. Ah, bah, ça, c'est de l'info, ouais. Le printemps arrive. Je sais pas si le soleil arrivera avec, mais en tout cas, le printemps arrive, et justement, il va y avoir un nouveau festival en Sarthe, et qui vient avec le printemps. C'est la fête des fleurs. Festil, non? Non. Ah, c'est pas Courage Jardin ? Ce sera la première fois en Sarthe. Tu sais, c'est ça ? Je te dis rien, alors. Ah bah, laissez chercher les autres, alors. C'est un festival dédié à quel public ? Oh bah, c'est... Alors là, il y a pour tous les goûts, là. C'est culturel. C'est de la musique ? C'est culturel. Ouais, fait... Le seul mot ! C'est culturel. C'est culturel. Ça fait partie de la culture. C'est culturel. C'est culturel. On pense à vous en régie. Ah ! Ça risque de vous intéresser. Ah, cool. Est-ce que c'est culinaire ? C'est culinaire. Ah, merci la régie. Ah, bah ça, c'est intéressant. C'est les championnats d'un truc ? Croissant, pas au chocolat. Championnat du monde ? Non, ce ne sera pas un championnat. Ah, juste des initiations ? Non. Non. Jean-Franck, il est dans le coup ? Non, c'est pas Jean-Franck. Non. Mais on n'était pas trop loin, là. Je crois que j'ai entendu des trucs intéressants. Il semble qu'il y aura 72 opérations. Pendant cette. C'est 72, effectivement. Au moins 72 événements, ouais, voilà. Tout à fait. Par rapport à la Sarthe ou aucun. Ah, aussi, si, c'est très, okay. très Sarthe. Est-ce que j'aurai le temps d'aller. Du 18 au 25 mars, on va donner des indices. Du combien ? Du 18 au 25 mars. Mais vous serez en période de régime, donc ça ne vous intéresse plus. Vous avez le droit à un cheat meal. Un cheat meal, c'est quoi c'est ça ? C'est vrai, j'ai le droit à un repas de fou. Tu fais un petit régime. Par semaine ? J'ai le droit à un repas où je fais ce que je veux. Avant ? Ouais. Un vrai. Une raclette avec fondu suivi d'un fondant chocolat. Ça, j'ai le droit. Arpa. Oui, bah alors c'est pas ça. C'est autre chose. Ah, non. Donc c'est au Mans ou c'est dans toute la Sarthe ? Par exemple, c'est dans toute la Sarthe. Franck, si tu me regardes. C'est lié aux rillettes Et bah, c'est la rillette du Mans, effectivement. C'est le printemps des rillettes en mars.
C'est la première fois en Sarthe que ça va arriver. 72 événements, on vient de le dire. Et oui, le printemps des rayettes. Bah, pourquoi ça consiste, non, mais ça consiste en quoi? C'est-à-dire que 72 événements. Alors, j'ai pas le détail de ce qui va se passer, mais. C'est l'élection de la meilleure rayette, non pas du tout. Ah, il y a des stands de dégustation sur les marchés sartois, ça on l'imagine. Des concours de photos et de dessins permettant de gagner. Attention. Un an de non, son point Henriette. Ah bah, si c'est Ted, ça c'est intéressant. Ça vient à moi je vais Ted et Jim. Par contre, c'est son point à lui que vous prenez. Hein. Oui, mais de début de régime alors. Voilà, de début mars, pas de fin mars. Et non, alors c'est pas le point Henriette, c'est un an de Henriette. Mais quoi, soit un pot par semaine. Un pot, c'est pas beaucoup. Bon, c'est déjà pas mal. Bah, à la maison, on a un pot, c'est un pas. Oui, c'est vrai. Avec une visite gros de l'ancienne usine Prunier à Conneré, des actions d'éducation aux médias. Bon, ça n'a pas trop de rapport avec les rillettes, mais bon, en tout cas, il y a pas mal de stands. Plus de 72 activités. Peut-être qu'il y aura une miss rillette. Ah bah, elle sera là ou pas du coup? La miss rillette? Non, Henriette. Henriette? Bah non, il l'a pas dit assez fort. La miss rillette. On va voir qui sera la meilleure cochonne. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est comme ça, faut pas répéter. Ouais, ouais, ouais. Je préférerais la mienne quand même. Faut jamais répéter. La semaine prochaine, t'invites des femmes parce qu'ils vont jamais oser dire des trucs pareils. Ouais. Ouais. Comment ça, il? Mais c'est lui, hein. Mais vous avez répété, okay. C'est pas mieux. Invite Sophie qu'on rigole parce que. Voilà, c'est vrai que Sophie, elle est calme, tout le monde sur le plateau. Diana et Sophie, moi je pense qu'à l'heure là. Oui, c'est vrai. Là, les gars. Et justement, on parlait de festival, on lâche les rillettes pour le cinéma. Ma mère, c'est en mars. Bah, c'est en mars. On a des food trucks aussi à Mamère Saint-Mars. Oui, le vendredi soir, tiens, Mamère Saint-Mars, 23, 24, 25 mars à Mamère, en mars. Et, bah, et pour dîner, le vendredi et le samedi midi, c'est des food trucks aussi devant Sogona. C'est pas des courts-métrages ? C'est pas que des courts-métrages, c'est mais des longs et des courts-métrages. C'est le festival de Cannes de la Sarthe. Oui, c'est le festival. Bah, mon grand, tu viens, pas de problème. J'ai pas avancé. Bah voilà. Je suis un cadeau au Nikon Festival. Bah oui. Ouais. C'est intéressant. On a en plus, on a une petite section, enfin, on a une séance de cours en région. Donc de cours aidé par la région. Et, bon, alors concrètement, pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais entendu parler de Mamère Saint-Mars. C'est le 28e édition, donc s'il y en a qui n'ont pas. Bon, ah, mais on ne sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. 28e édition. Vous savez que je suis un grand fan. Mais, mais oui, je suis grand fan de tout ce que je fais. Non, mais tout à fait. Excusez-moi. 28e édition. Donc Mamère Saint-Mars, c'est 10 séances avec 7 à chaque fois, un long et 2 courts-métrages par séance sur un week-end, avec donc 10 séances. Donc de 7 longs métrages en compétition, 12 courts métrages en compétition, un long métrage d'ouverture, un de clôture. Lequel film de clôture, ça s'appelle Mes Frères, qui est un film qui a été produit par Bertrand Guéry, qui est un sartois. Sinon, on a en ouverture un film avec Admiral. Et puis des préséances au Mans, à Alençon le 19, au Mans le week-end du 17-18, et à Marolles-les-Braux le mercredi 21. D'accord. C'est le 21. Voilà. Donc c'est dans toute la Sarthe, enfin c'est au Mans et puis dans quelques séances, donc avec des réalisateurs, des comédiens, des producteurs, le président du jury, c'était un scoop, je vous le donne, c'est normalement, si ça ne change pas d'ici là, c'est Marc Caro, le réalisateur de Délicatessen, des La Cité des Enfants Perdus, qui a fait tous les films avec Caro et Jeunet, donc voilà, qui préside le festival cette année. Très bien, 23, voilà, 24 voilà, et 25 voilà. Mars. C'est ça, Mamers, toujours. Yes. Hein, Mamers toujours Mamers, si Mamers n'a pas changé de lieu d'ici là. Et pourquoi Mamers d'ailleurs? Parce que j'habitais, enfin, que quand j'étais petit, j'ai créé ce festival et j'habitais Mamers. Vous l'avez créé quand vous étiez petit? Bah, petit. Mais ouais, parlez-en un petit peu du coup de l'histoire, parce que moi je la connais même pas l'histoire. L'histoire, oh, bah, t'as l'émission là? Non, parce que je te la fais courte, enfin j'essaye. Ouais. En fait, j'avais une association de jeunes européens à Paris que j'avais créé avec des copains. Et cette association, on avait décidé de faire une université de jeunes européens et on a décidé, comme moi j'étais à Mamers, et les copains ont dit bon, on va la faire à Mamers parce qu'à la campagne c'est beaucoup plus sympa. Et donc pendant un été, on a fait venir 200 jeunes européens à Mamers. C'est la seule fois où il s'est passé quelque chose à Mamers en 25 ans, à part Festival Mamers en mars. Et donc c'était en 90. Et parmi ces jeunes qui sont venus, il y avait un gars qui est venu faire une conférence qui s'appelle Thibaut Sarrazin et dont la maman à l'époque, parce qu'il est
elle est décédée depuis, avait une boîte de distribution qu'elle venait de lancer qui s'appelle Pyramide, qui a fait son chemin depuis. Et Thibaut est venu en disant, ma mère, c'est génial ce que vous faites, moi je trouve ça, ma mère c'est super, ma mère elle va distribuer son premier film qui s'appelle Milou en mai, c'est avec Louis Mal, et en janvier je vous fais venir Louis Mal à ma mère, c'est avec toute l'équipe du film. Et nous on a dit bon allez vas-y, et c'est parti de là, et on a fait une avant-première autour de Louis Mal, et Louis Mal est venu à ma mère, c'est avec Dominique Blanc du Chaussois, Carole Bouquet qui était la marraine du festival, et puis autour bah, on a brodé en passant des films européens à l'époque, des gens qui n'étaient pas très connus à l'époque, qui s'appelaient Nanni Moretti ou Pedro Almodovar et ou Stephen Frears, et après bah voilà c'est parti comme ça. Voilà. 28 ans. Et 28 ans. Et la 28e édition, c'est cette année, 23, c'est 23 24. 24, 25 mars. Et 25 mars. Séance au pâté pendant le week-end. Et je suis toujours là. Ouais, non, ils n'osent pas me virer. Non. En général, je pars de temps en temps, je claque la porte et puis je reviens. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour nous en parler, pour répondre aux questions à tous, hein, pas que Emmanuel. Merci au duo Pierre et Martin. Bien sûr, on continue de vous suivre, vos spectacles. Il y a la revue dernière date le 25 mars aussi. Alors, il va falloir, ce sera aussi le dernier jour du printemps des rillettes. Et puis le Tube Forever aussi. Il y a Diana Igby qui fait aussi un festival le même week-end de musique. Oh là là là, bah c'est bien comme ça. Pour ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire en Sarthe ce week-end, ça sera faux. Il y a autre chose à faire un week-end par an. C'est celui-là. Non, il y a 24 heures aussi, il y a plein de choses. Bien sûr, puisque la Sarthe, on ne répétera jamais assez, il y fait bon vivre. Merci à Ted, merci. Tube Forever. Le 31 mars. Le 31 mars, exactement, pardon. Et puis le 15 mars, c'est la semaine prochaine. Oui, non, 14 mars. 14 mars. Mercredi 14 mars, voilà, journée de sensibilisation. Don de moelle osseuse, place de la République, Le Mans. Voilà, on n'oublie pas, bien sûr, d'aller faire un tour, poser toutes les questions que vous voulez, et pourquoi pas. Il faut y aller, effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr jeudi prochain avec d'autres tranches, parce que celle-là, on les a trop vues. À jeudi. Essayez la différence avec Goulenchemin et 72 Autoparc, votre concessionnaire.